Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager intéressé, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne là que j'ai une information sans problème. Saluer toute la édition, saluer tout auditeur auditrice, c'est son plaisir qu'on a fait au matin. Justement, nous avons parlé de dossier sécurité et notamment pouvoir qui selon RNDDH, Pierre Espérance, il dit qu'il y a bon rapport avec gang yo, gang 400 Maozo, il dit qu'il y a mon cabinet premier ministre qui a financé yo et premier ministre avant ça vendredi passé, il dit que mon gagne épreuve mais cité non yo bal non yo, il va l'absanctionner yo ou même pratiquement aller dans même sens avec Pierre Espérance pour dire gouvernement yo toujours continuer avec pratique ça financer gang qui a prendre population. Très bien. Et pour nous arriver à la réponse, je vais juste expliquer nous. Le 10 février, le Premier ministre a fait une déclaration pour lui dire bientôt il va ouvrir la route Matissan. Le 11 février, ils font le tweet la peur doit changer de camp. Et depuis le défi de faire déclaration, moi-même, moi été dit que si nous sommes responsables qui font une déclaration comme ça, c'est qu'en même temps, la préparer. Et opération, il a préparé comment pour l'arrivée et déloger, puisqu'il a annoncé bientôt, il va délivrer route là, et puis il dit la peur doit changer le camp, c'est bandit pour peur, c'est pas population. Donc, dans ce sens-là, moi, pensé, son question qui intéressait ma pile, question sécurité, et moi, justement, l'attitude pour mal vérifier qui s'est en préparation. Et là, nous gardons, nous, son déclaration que le Premier ministre l'a fait, mais sans le pas, il n'y a aucune préparation qui est en cours, ni opération. Et nous constatons que la police vraiment a essayé de mettre un cadre légal pour voir comment il a monté une nouvelle unité anti-gang par rapport à un plan d'opération. Mais il n'y a gagné aucune autre préparation de cadeau opérationnelle. Fait. Donc, ça veut dire, dans ce sens-là, nous pensons que son déclaration que le Premier ministre l'a fait, donc que quand même les basés, on va gagner pour le faire, c'est une bague d'opération, c'est que ils ont l'autre forme. Et donc, si on a une opération de gardes policiers, c'est qu'ils ont l'autre forme d'opération. Et dans ce sens-là, il y a un pile de déploiement, justement. Jean RNDD a dit là, d'ailleurs, nous confirmons, et je pense que malheureusement, et n'a pas les RNDDH, nous ne pouvons pas stipuler nos monde, mais il y a un déploiement de conseillers premier ministre qui fait pour que. Il y a négocié avec Gagnon pour que il y a quitté parce qu'il y a quitté un climat comme si tout va fonctionner. Mais négociation ça, kidnapping par la dame. C'est-à-dire, monsieur, il y a l'attitude, il y a fait kidnapping. Mais il faut articuler pour que tu aies une ambiance pour que tu aies arrivé et tu aies dit bon, eh bien, puisque le monde a circulé, tu aies mis tes CEP, tu aies allé vers l'élection. Et ceci fait. Et vers le Croix des Bouquets, vers Genève, qui était déjà rentré en opération. Et également, nous avons dit, même des essais faits vers Matissan. Donc, là, il a parlé de bientôt, hein, et négociation, ça y est, côté non, non. Sénateur, sénateur. Allô? Sénateur, est-ce que c'est oui. Que vous avez expliqué nous là, le Premier ministre Ariel Henry, il y a un représentant. Que le Dali même dépêché, à le discuter avec gang 400 Maozo, qui dit bon, monsieur, gang 400 Maozo, et si ce n'est pas tiré dans la commune, non, et quitter mon passé, quitter l'activité faite, mais nous mettons toujours continuer à faire kidnapping. Comment ça va discuter ensemble avec eux? Est-ce que vous avez expliqué nous là, oui, sénateur? Comment ça nous comprend tout? Mabdou, information ça encore, il est confirmé par RNDDH, et nous confirmons l'information, c'était de deux sous différents, et des mondes qui parlaient justement au nom du Premier ministre là. Et mon Zayo, c'est la paix ça a cherché pour que le monde puisse circuler parce que pour que bon atmosphère qui montrait que eh bien bagaille plus ou moins mais et ça y a pas entré dans fond question et question ça c'est lui justement que yo adopté comme mode opérationnel mais c'est pas justement le renforcement de la police c'est pas essayer de loger au contraire rien à bien des mondes qui demandaient yo même à ce que yo protéger. Il y a des gens qui sont en prison qui savent faire pour eux par rapport à ça qui a fait à gang. Et moi, je pensais que justement, Bagayza a mérité de dénoncer. Et nous encourageons NDDH à mettre le rapport à dehors. Parce que, et
politique ça il pour le mener à même ça nous tirer à la renforcer banditisme d'état il va le bailler gang yo beaucoup plus de capacité parce que le ça yo gain tout matériel yo continue à opérer et ça vient faire que yo ca occuper plus territoire par rapport à la police là qui va l'affaiblir. Donc non quoi que je dis et c'est peut-être ça moi-même moi t'ai lancé appel là à la police moi t'ai dit yo je dis à yo gagnent théoriquement 14 000 policiers, 14 248 policiers qui sont licieux, mais dans la réalité, c'est environ 12 000 qui là, parce qu'il y a pile, il y a détachement, il y a congé prolongé, qui pas tourné, qui travaille pour entreprise privée. Donc, dans 2 000 policiers, ça y est, moi, quoi que, sous un petit 4 là, avec 30 000 gouttes en moyenne que vous payez, le SAA, ou à privé, dans 80 millions de gouttes par mois. Et que comme ça, chef police là, puisque il y a l'attitude, il a commandé justement pour yo réallouer comme ça pour lui, soit dans le réajustement salaire, soit dans acheter équipement pour yo prendre responsabilité. Yo. Parce que je dis à nous, l'État qui l'a, l'État n'est pas décidé en aucune manière affronter bandit. Il n'est pas décidé de mettre fin à la question banditiste. Et appel ça, moi j'ai lancé justement à chef police là, parce que moi je crois que je dis à lui, il y a une responsabilité par rapport à fonctionne, même si que l'État n'est pas décidé d'avancer. Et c'est volontaire que nous voyons que l'État a choisi mode opérationnel pour déloger Bandio, parce que il y a un pile lien, il y a un pile Gog Magog qui lié, parce que il y a des gens qui ont négocié, ils ont tout à négocier pour candidature, députés, sénateurs, pour voir ce gang-là qui a protégé eux. Et là, il y a une élection qui permet justement, il y a un poté bourré qui fait. Donc c'est tout dans tout ça que nous y est là et bien qui fait que ouais il est extrêmement difficile pour yo résoudre et phénomène et banditisme d'état ça. Est-ce que gain des candidats des anciens élus qui conseillaient monsieur Henry qui dans initiative ça ou est-ce que c'est des monde qui pas gain aucun passé ou futur politique qui dans activité on parler là yo? Il y a les deux, il y a un nouveau candidat. Il y a un monde qui était là déjà, qui voulait retourner, qui rentrait dans la question ça, et qui, lui-même, a fait peut-être d'une pierre deux coups. En même temps qu'il a négocié pour laisser passer, lui-même a négocié également pour être là. Donc, moi, je crois que je dis, ça, il ne peut pas permettre, eh bien, que arriver dans l'atmosphère électorale, ça permet de renforcer mon petit d'État, parce que dès que c'est dans ça pour rentrer, eh bien, il vient nommer. On croit que l'État, eh bien, c'est Bandia qui chef là, c'est pas vous-même. Et l'État n'a pas aucune latitude et on va être capable, justement, de mettre l'ordre de l'ordre et pour voir ça. Donc, dans ce sens-là, je pense que la méthode que nous devons développer par rapport à Bandia, le niveau que nous vivons là, eh bien, c'est la méthode opérationnelle, c'est les moyens. Je nous dis la trilogie, là, c'est un homme, une mission des moyens. La police, nous, là, mission de déloger Bandia et il faut donner les moyens. Et comme nous demandons moyens, nous remarquons que le gouvernement, par exemple, à travers un CSPN, un budget spécial, hein, un budget spécial pour les opérations. Nous avons fait, eh bien, un budget à côté, nous dit, et le policier m'a dit, eh bien, nous avons essayé de faire un bagage, mais nous avons fait un budget spécial d'opération. Pas qu'aucun pays qui a une situation ça, qui va gagner un budget spécial par rapport à la menace qui gagne. Donc, nous demandons à la police, la fond nettoyage, la CAILI, pour qu'elle a tiré les moyens de budget, demander au ministère finance, eh bien, fait justement réaménagement par rapport à budget, parce qu'il y a pile policier, nous connaissons tout qui va là, malheureusement, qui quitte le pays, qui continue à toucher. Ouais, comment vous allez réallouer comme ça pour que vous-même, vous mettez en application et directive. D'ailleurs, m'a félicité quand même en pile et responsable dans la direction de la police, qui déjà vous-même préparé cadre légal d'unité, anti-gang, unité opérationnelle qui doit entrer en action. Ils ont préparé et ils font un travail, moi j'ai dit que correct, puisque si on voit les opérations, il faut que les gens qui soutiennent la police n'aient pas gagné le champ libre, pour le situer dans un cadre bien précis, il faut que gagne la loi comme référence. Et je pense que le travail ça a déjà fait. Malheureusement, il n'y a aucun suivi dans le CSPN pour légaliser les directives et que dire pour t'amener en opération. Unité ça. En même temps, tout sénateur, c'est à blaver, mais si, à te, si la police t'a fait, il faut dire ça là, mettre 4 dégâts pour mettre camper une unité anti-gang pour aller gommer contre gang. Et parallèlement, je vais expliquer à la pouvoir primature, la négociation avec gang, yo, bah, au quoi entretenir. Donc, c'est plus ou moins un.
n'a toujours égal à zéro. Moi d'accord avec vous, et c'est peut-être ça que nous avons obligé hier à un point de presse. Imagine. Le que nous finissons et vérifions l'information, nous parler avec NDDH, nous parler avec d'autres groupes qui sont sur le terrain. Eh bien, nous voyons que c'est politique ça, parce que le premier ministre a dit bientôt, et route la voie ouverte, il dit bientôt, mon gars circuler. Nous pensons que c'est gagné, même en dernier espoir, que le premier ministre a dit bon sursaut la Kaili. Pour le connaître que la population va pas vivre comme ça. Mais malheureusement, le 18 août, et nous, le 18 mars, nous, le premier ministre a retourné. Déclaration que le fait, c'est que grand pile monde qui attend que route la voie ouverte. Mais depuis le 20 juillet, et le premier ministre a monté, il te connaît que grand pile monde qui attend que les professions s'habitent pour ouvrir route là. C'est pas environ 8 mois après, Nouvelle-Lise bien titré, Nouvelle-Lise dit son overdose de promesses. Et nous, ils vont côté pièce pour nous battre encore dans le premier ministre. Donc, appel nous fait à la police là, c'est le premier ministre habituel. Et la police doit, justement, non seulement réagir avec la police administrative dans l'unité opérationnelle, mais avec la police judiciaire. La police doit comprendre que la police judiciaire, qui a une capacité qui va permettre que, eh bien, ils visent des gens qui ont fait travail ça, parce que la police, ils même tout lié au courant. La police au courant de toute montée des stands que des gens ont fait, eh bien, avec Daniel. Et je crois que la police doit prendre courage il y a deux mains, parce que je dis, je crois que c'est la police qui seule unité, qui seule, on va dire, acteur de force publique là, qui est opérationnel. La police doit prendre responsabilité par rapport à une série d'informations que l'on courant, que l'icône est de montée des hommes qui fait, qui conduit dans l'opération. La police doit prendre courage il y a deux mains pour que, eh bien, ils ont demandé des CPJ enquêter sur eux, parce que ils ont castésie au même tout, et eux même à partir de l'information que vous avez. Et moi, je suis que, Robinson, et que la police gagne même information avec nous. Sénateur, merci un peu, Louis Kembela. Bonne journée. Et moi, je vous remercie. Merci un pile. Et information, hein? Et bien, vous avez bali, puis vous avez une enquête. Et puis, Espérance, pour lui-même, dit s'il y a une bonne information, et là, tout le premier ministre, c'est s'il y a une bonne information. Nous donnons partie, on extrait, et dans l'adresse de la nation, ça, premier ministre. La Pérez doit changer quand? Magique 9. C'est pas citoyen honnête. Sans stress. Sous 109. Paix bandit. C'est bandit qui pour paix la police. Des mouns qui fait vieux bruit courir sur les réseaux sociaux. Comme qui dirait, la police t'a arrêté bandit et puis moun nan pouvoir t'a relé pour faire la guerre. Gouvernement m'a dirigé à pas jamais tolérer modèle agissement ça yo. Si un citoyen gen preuve yon bagay comme ça t'a fait, fais-moi connaître non moun nan. M'a fait une enquête et m'a tracé un exemple. M'a répété ça m'a toujours dit. Nous pas dans business protéger bandit. Place bandit c'est dans prison ou sinon en batte. En plus afin sécurité a pays noir risque prend gros frappe. OK. Vous entendez partie ça dans déclaration du premier ministre. Il dit que ça, moi, t'as écrit. C'est pas pour moi que t'as écrit. Non, il dit affaire PNH a été bandit, monde qui n'a pas pouvoir l'abriter pour la guerre. Il dit faire, me connaît, la fait enquête. M'a pris un gros exemple, place bandit dans la prison, bien en bataille. L'application exemple. L'application exemple. C'est la meilleure ça. Elles sont petit côté, on petit casse pile loin dans l'adresse de la nation, ça, puisque vous partez sur le du tout. Le premier ministre a annoncé qu'il y a 50 juges. 50 juges, il y a déjà nommé là. Okay. Dans le système. Pierre, c'est où ensemble avec nous. Autant de ça pour venir descendre. Si vous avez des bonnes informations, comme quand vous avez déjà dit dans le commencement, c'est vieux, et vous avez dit, fait vieux, vous courir. Sous comprendre la police a arrêté des bandits et que vous avez des coups de fil qui sont sur le côté pouvoir pour demander pour libérer. Les gens disent, si vous avez des bonnes informations, mais faites le connaître, citez nous, vous avez mené enquête sur lui. Et la tracer exemple sur vous. Bonjour, réponse. Très bien. Bonjour toute équipe magique. Et premier bail m'a dit, déclaration premier ministre en fait, et sous question relation équipe qui sous pouvoir gagne avec Ganyo, et non capable de dire docteur Ariel Henry menti à nation. Hein? Et c'est une parole qui dit pour consommation internationale. Et
mais ça nous dit et nous camper derrière lui et parce que nous avons bon gens preuve et équipe qui sous pouvoir continuer à financer gang yo yo bay gang yo zam yo bay munition yo bay l'argent et zam sa yo rentre dans port yo dans frontière yo et c'est la douane même qui est alimenté gang yo avec zam et munition et particulièrement Genève et allié. Donc nous-mêmes nous et nous sommes capables de tromper nous. Cependant, et dans l'information que nous baillons, mais nous ne sommes pas capables au niveau RNDDH pour nous faire une grosse acquisition comme ça, pour nous venir avec une information comme ça, et puis c'est vous, nous avons monté. Et l'a dit, docteur Ariel Henry, gagnez trois substituts dans un paquet quoi de bouquets. C'est eux-mêmes même qui a siégé dans le commissariat quoi de bouquets pour libérer bandits qui ont été en plein temps et particulièrement 400 Maozo. Dans trois substituts, ça y est. Il y a deux là-dedans qui étaient révoqués sous l'administration Jovenel Moïse pour être longs si payés. Et c'est sous l'administration Dr. Ariel Henry, ils ont retourné dans le paquet et quoi de bouquet. Et c'est Dr. Ariel Henry même qui a approuvé lettre nomination. Et Jean Sakonde fait, Jean Sadoué fait. Dans l'administration et publique là. N'a dit Dr. Ariel Henry, depuis le 7 décembre 2021, paquet et déclisante et paquet quoi de bouquet, ou nous capables de dire la justice quoi de bouquet, pas et fonctionné par rapport à Jean Gangyo en plein nan, et particulièrement et 400 Maozo dans quoi de bouquet, et a théorisé. Et population jusqu'à ce que et dans dernier jour dans mois de février 2021 côté que primatier a voyé et gros l'argent et bail 400 Maozo il négocié avec 400 Maozo pour quitter et moun et dans quoi des bouquets reprendre activité yo, et ouvrir route mal passé. Et qui donc? Mais sous point ça, monsieur Espérance, ça va avancer. Ah, nous avons oui. Précisé nos trois substituts et tu parlais là. Et ensuite, okay. Et nous te voyons la police a tapé des. Non, mais qui m'a dit libéré? Oui, et qui m'a dit libéré? Et ensuite, nous avons des bouquets, nous te voyons et la police a tapé en pile opération. Mais justement, c'est pas de la police à parler là. On va dénoncer la police nationale. Non, c'est parce qu'on dit c'est quoi Biobay 400 Maozo qui fait que li on dit que c'est Fonti Tempol dans quoi des bouquets et nous la police. Non. Et opération la police là maintenant dans zone pleine dans quoi des bouquets avec l'autre gang, yo fait là avec l'autre gang, yo pas arrivé maîtriser 400 Maozo, yo pas arrivé freiner et 400 Maozo sous et ça a fait théoriser population et kidnapper monde. D'ailleurs, tout le monde capable et étant déli, à plus le monde tendel. Le 2 mars 2022 et le chef 400 Maozo a fait une déclaration pour lui dire que pour lui demander monde et dans plein monde dans quoi des bouquets. Reprendre activité et que route mal passe après l'ouvrir. En même temps, tout, l'été lancé un pinga par la police nationale là, pour ne pas mener opération et dans et 400 Maozo depuis au Feli et ça au principal, il y a recommencé. C'est pas opération policière qui fait que 400 Maozo pas continuer kidnapping qui fait depuis environ et 2 semaines.
ou gen yon ti calme et dans zone et quoi des bouquets dans zone pleine là et qui fait que gen quelques activités et qui reprend mais faut que moi tout et même si c'est vrai et gen quelques activités qui reprend là et quoi des bouquets gen monde qui passe et sous route et font parisien hein? Mais tout 400 maozo et continue à kidnapper monde et il fait plus sous tabac et peigner avec autre frère et gagne rivière grise qui passait dans deux tabac bon c'est dans tabac qui y est et la police nationale là yo te mette yon conteneur dans rivière grise parce que gon route pour passer là dedans et pour traverser autant tomber quoi des bouquets et mais gang yo et 400 maozo retiré qui ont retiré et conteneur, ils ont continué à kidnapper. Et nous avons bon genre d'information, nous avons preuve dans RDDH que la primature voyait l'argent par 400 maozo pour être capable, pour quitter mon yo reprendre l'activité dans quoi des bouquets et puis tout pour débloquer route mal par ça. Mais ce n'est pas pour empêcher de faire kidnapping ou bien c'est opération policière qui. Il fait 400 maozo pas opérer. Professeur, une question pour vous. Nous avons 5 minutes pour nous passer parce qu'il faut nous proposer la question. Oui, il faut nous proposer ça rapidement. Mais PM n'a pas eu quoi d'après ça, dit primature voyez quoi, pardon. Primature voyez quoi. À travers qui moun et qui est-ce moun qui libéré, s'il vous plaît. Trois conditions. Ok, très bien. Primature voyez quoi à travers un cabinet et qui fait liaison avec 400 maozo pour. Et primature. Et c'est même cabinet ça tout qui mettait deux et monde et avec et une institut dans quoi des bouquets et pour et mais deux monde là c'est pas monde qui a rapport avec la justice non, pour yo capable identifier monde 400 maozo yo arrêté pour et avec des autres gang dans après parce que monde m'a trouyo ou et qui dans cabinet et docteur et Ariel Henry, eh bien, et Mounsa, c'est lui-même qui et fait, et j'aimerais dire là, il y a des substituts dans quoi des bouquets qui ont été révoqués sous administration et Jovenel Moïse qui ont été révoqués pour droit de l'ONCPIE, ils ont retiré et ils ont retourné dans quoi des bouquets, ajouté avec un autre substitut. Mais il faut pas dire tout. Et ça a gagné 2 semaines, gagné. Et ministère de la justice et ministre de la justice là qui transféré de la dans yo dans département Latibonite les patrons yo transféré pas fait parce que y a libéré bandi non yo transféré pour des autres pour des autres bagaille mais faut que moi tout les n'a pas les des relations la primature gouvernement gagné avec gang moun ki fè liaison avec gang nan plèd nan kwa de bouquet 400 maozo pour primature c'est pas eux même tout qui fait avec Genève yo gen l'autre et faut moins d'où la primature continue à voyer l'argent régulièrement par Genève et allié et faut moins d'où tout et c'est la douane qui alimenté c'est directeur douane nan même qui alimenté Genève avec ZAM et avec munitions. Donc, ce n'est pas une opération policière dans la plaine dans quoi des bouquets qui fait que ou est un petit calme dans quoi des bouquets et dans la plaine là et je ne vous dis. Mais c'est pas expérience. Est-ce qu'on a prouvé ça dit concernant le directeur de douane et est-ce que ou ka prouvé tout ça dit concernant des membres cabinet et premier ministre là qui n'ont activité ça va dire là parce que public là attend là c'est extrêmement grave ça comme dire. Oui monsieur. RNDDH nous gain preuve. Nous gain conversation, nous gain preuve relation bon genre relation membre cabinet docteur Ariel Henry gagné avec gang na kwa des bouquets et gang Genève. Maintenant dernière question avant moi merci où li dit soumettre preuve ça Bali la tracer exemple et pour qui ça pas soumettre Bali. Non. Preuve yo c'est pour et j'aimerais tout ça docteur Ariel Dian li dit li pour consommation internationale et li menti avec nation. C'est lui même qui a prouvé l'être
nomination des substituts qui fait retourner dans juridiction quoi des bouquets et c'est au même qui a fait va-et-vient dans commissariat quoi des bouquets qui a libéré Mounio et dans fin année 2021 la primature l'état a été débloqué en pile l'argent pour assainissement. C'est gang yo pral joine et l'autre jour là ça gagne les 4 mars et DCPJ et yon machine qui te gon alerte sur li DCPJ arrêté machine là li joine 6 moun là-dedans et moun sa yo yo nan sin nan ce service intelligence nationale que moun connaît pas qui pas existé encore et maintenant nan 6 moun sa yo yo te gon paquet zam illégal nan men yo zam ça pas risqué aucun côté yo gen bureau nan 8e étage nan ministère intérieur et gen deux membres cabinet ministre intérieur qui est à bay moun sa instruction nan 6 moun sa yo gen ladan yo 3 gen 3 ladan yo c'est membre et gang et kris la premier ministre pa konnen Ariel pa konnen donc et docteur Ariel a Henri li menti avec nation et jodi an moi mete on moun an défi pou yo di depuis 9 mois donc environ 9 mois docteur Ariel Henri là li prend pouvoir la vie tout privilège qu'il y a avec fonction la nommé femme 10 ans mi yo continuer à alimenter gang yo qui action concrète qui oppose maintenant dernier pour la question banalisation la vie moun qui action concrète yo dernier question pour finir en 30 secondes et si ça va dire c'est vrai et policier cap gardé qui connaît cap wè bagay là et qui est à d'esprit qui moral yo en 30 secondes et moral policier très bas et en pile nous gagne pour venir tout ça en pile policier qui était institution et gagne des policiers qui et habité dans des zones par rapport avec dans connivence ouais autorité étatique qui gagne avec pantio yo obligé abandonner des zones avec toute famille gagne des policiers qui n'a des unités spécialisées dans la police là là et famille au petit yo c'est dans unité mené oui donc moral policier très bas parce que pour améliorer et situation sécurité dans pays là ou besoin autorité qui camper bon côté la force publique qui campait bon côté la police là qui a renforcé la police là qui a encouragé institution pour permettre de faire travail mais les policiers ouais a pas arrêté. Et puis, il y a même ces autorités qui l'ont intervenu pour libérer eux, et bien ça vient démotiver, ça démobilise eux, et c'est ça qu'il faut que les policiers qui ont mouru. Merci beaucoup, M. Spence. Bonne journée. MFM. Voilà, et pour tout le monde que nous citons là, c'est M. Spence qui dit lui, que c'est M. Bell de la douane, que c'est M. Henri, il dit. Bref, il n'y a pas de dire à M. Espérance de parler de manière spécifique. Mais là, M. Espérance s'est parlé. Non, mais c'est M. Espérance qui a fait la déclaration ça. Oui, mais il n'y a pas de dire, il n'y a pas de dire non. Non, il a dit ça dès le départ, il n'y a pas de clairement dire. Donc, la réponse,